Flomis herbovent, flomis herba ventini. Le flomis herbovent est une plante vivace de 20 à 50-60 cm de haut environ. C'est une plante bien verte, hérissée de longs poils étalés, de la famille des lamiacées. L'herbe au vent, son nom, viendrait du fait qu'elle aimerait les lieux exposés au vent. Elle aime en outre les lieux secs, comme les pelouses basophiles méso-méditerranéennes, où elle peut pousser en larges touffes. En France, elle est présente en Provence, dans l'Aude, l'Hérault, la Drôme, les Basses-Alpes et Hautes-Alpes, sur des sols plutôt argilo-calcaires jusqu'à plus de 1200 mètres. Le nom Flomis vient du grec philos qui signifie flamme. Les feuilles de ces plantes servaient autrefois à la fabrication de mèches de bougies. La floraison a lieu de mai à juillet. Les fleurs sont roses à pourpre, au nombre de 8 à 12 et disposées en volutes. Elles sont d'un aspect délicatement feutré quand on s'approche un peu. C'est une belle plante. Sans être rare, elle n'est pas très répandue non plus. On voit bien ici l'aspect feutré des fleurs. Les feuilles sont coriaces, ovales, lancéolées à lancéolées simples, crénelées, glabrescentes, luisantes dessus et pâles sur le dessous. Vous les voyez ici. Vous voyez ici le dessous notamment, qui est plus pâle que le dessus. Voilà les amis pour la présentation de l'herbe au vent, Flomis herbaventi. J'espère que vous aurez aimé cette découverte et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.